Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. J'espère que ça va pour vous. Merci à tous ceux qui sont connectés sur la radio Toisange et sur la chaîne YouTube. Que le Saint-Esprit puisse vous visiter. Nous allons commencer le temps d'intercession. Je vais vous demander de courber la tête et nous allons prier pour ce moment d'intercession. Notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, viens. Viens. Esprit Saint, Esprit de Jésus-Christ, viens. Viens nous connecter avec toi. Viens connecter nos âmes avec toi. Viens connecter nos pensées avec la divinité. Viens chasser toute forme de séduction, de manipulation. Viens chasser toute forme de pensée qui n'est pas de toi. Viens prendre le contrôle. Viens, Saint-Esprit. Viens apaiser un cœur. Viens nettoyer. Viens, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je suis plus que vainqueur. Saint-Esprit, je te donne ma place. Je te donne ma langue. Je te donne mes yeux. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de toi. Viens faire la connexion. Viens prendre ce que le Père a déposé pour nous ce matin. Viens prendre la provision que le Christ a déposée pour nous. Et viens nous faire manger. Viens nous faire boire. Viens nous faire téter dans le sang du Père. Viens. Viens, viens, viens ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas mon prénom, je m'appelle Michaël Louis. Pour ceux qui sont connectés pour la première fois sur cette radio, bienvenue, bienvenue, bienvenue et bienvenue. La radio Toisange fonctionne 24 heures sur 24. Vous allez sur Internet, vous tapez www.radiotoisange.org. Et nous passons des replays ou des fois nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la radio Toisange. Ce matin, comme pour ceux qui connaissent nos habitudes, nous avons une demi-journée de jeûne chaque troisième dimanche du mois. Et ce matin encore, nous sommes là par la grâce de Dieu pour pouvoir servir et bénir dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu Très-Haut. Pour commencer ce temps d'intercession, j'aimerais faire monter cette louange devant le trône de Dieu pour remercier le Seigneur. Parce que je peux le crier, je peux le dire, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, peut-être, il y en a qui vont le dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Si la radio vous fait du bien, si vous voyez qu'il se passe quelque chose maintenant sur la radio Toisange, je vous invite à liker, partager, et d'envoyer un message à quelqu'un et de dire à cette personne de se connecter, c'est maintenant. De se connecter parce qu'il y a un moment comment dirais-je, de jeûne sur la radio Toisange, de se connecter. Nous sommes dans une saison, c'est la saison d'évangélisation digitale. Dans cette saison d'évangélisation digitale, le Seigneur appelle les âmes. Tu n'as pas besoin maintenant d'aller en fait dans un lieu à 5h, 6h, 7h, 8h du matin parce que c'est difficile pour toi parce que tu as des enfants, c'est compliqué, c'est difficile. Le Seigneur t'envoie YouTube maintenant et avec la chaîne YouTube, avec YouTube, tu peux te connecter maintenant sur la radio. Ça ne te coûtera absolument rien d'envoyer un message à quelqu'un, de dire de se connecter sur la radio Toisange maintenant. Je bénirai l'Éternel. Pour tout serre offert, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tout serre offert, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme
Béni le Dieu d'amour, ô mon âme, ô mon âme, béni l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tout faire au fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tout faire au fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Souvent, nous traversons la vallée de Baca. Et dans cette vallée, le diable vient parler ou il vient dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées. Pour nous dire que est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu est là? Souvent, le diable va nous faire passer, en fait, il va repasser dans nos pensées. Comme il l'a fait avec Jésus, quand Jésus avait jeûné pendant 40 jours dans le désert, le diable était venu le tenter en disant, est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Et souvent, nous allons passer par des vallées, des montagnes, des difficultés. La vallée, la montagne, ce sont des difficultés que nous traversions. Et le diable va venir nous dire, es-tu réellement sûr que Dieu existe? Es-tu réellement sûr que Dieu a entendu ta prière? Et ça peut nous déstabiliser. Ça peut même créer le doute chez nous, de l'incertitude, de l'angoisse, de l'amertume. Souvent, si les attaques sont répétées, si les attaques sont d'une violence terrible, où le diable nous a attaqués une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et voit que nous tenons encore, nous restons encore debout, cette fois-ci, il va venir. Il va venir avec quelque chose de plus terrible pour nous déstabiliser, pour nous faire perdre pied. Mais j'aimerais te rappeler, j'aimerais te dire, dans ces moments noirs, dans ces moments difficiles, la louange t'aidera à remonter. La louange t'aidera à passer le cap. Je me rappelle de l'histoire de Marie-Josène qu'elle avait racontée sur la radio Toisange. Elle avait témoigné. Quand elle a reçu son courrier par rapport à sa pièce d'identité, pour ceux qui n'ont pas écouté le témoignage de Marie-Josène, vous pouvez aller réécouter ce témoignage lors de la demi-journée de jeûne que nous avons eue le mois dernier. Son témoignage n'est pas encore posté, mais vous pouvez aller et écouter cette demi-journée de jeûne parce qu'on avait mis son témoignage. Je me rappelle lorsqu'elle m'avait appelée pour me dire « Sœur, prie pour moi » parce qu'en fait, la préfecture ne m'a pas autorisée à rester sur le territoire. La première chose qui était venue dans notre tête, c'était de pleurer, de crier, de gémir et de dire « Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu, viens à notre secours! Dieu, Dieu, Dieu! » C'était ça qui était venu. Et nous avons fait comme nous l'avons senti. Mais le lendemain, le matin, je me suis réveillée.
Je me suis réveillée en fait avec la pensée que le Christ me disait quelque chose dans le psaume 50. Et je suis allée chercher le psaume 50. Ce qui m'a marqué, c'est que Dieu dit, est-ce que moi je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Le verset 14, il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il y a des fois, tu dois poser en sacrifice pour que le feu de Dieu puisse descendre. Il y a des fois, sur ton autel, tu as besoin de poser des sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas le feu. Des fois, tu attends le feu, mais il te faut un sacrifice. Et Dieu dit dans le psaume 50, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ce matin-là, je me suis réveillée en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. J'ai commencé à râler, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? 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 Il y a des jours, tu as besoin de consulter l'Éternel seul. Il y a des jours, tu auras besoin de passer dans le désert seul. Jésus a vaincu Golgotha seul. Jésus est passé à Golgotha seul. Il n'avait pas les disciples. Il a cherché, il a demandé, mais les disciples étaient endormis. Les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert, il l'a fait seul. Ah. Il l'a fait seul. Il y a des fois quand tu vois qu'il y a trop de distractions dans ta vie, quand tu vois tu pries pour une percée et qu'il n'y a pas de percée, éloigne-toi un moment. Prends un temps seul avec le Christ pour comprendre, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et là, j'ai dit, Dieu, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, va louer quand t'a donné le courrier là, quand elle t'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à te plaindre. Dieu, Seigneur, Dieu, Dieu, Dieu. Loue la louange. Mais comment louer quand ton âme est abattue? Comment louer quand tu n'as plus de force? Comment louer quand ton adversaire te piétine? Comment louer quand tout te manque? Comment louer quand tu n'arrives pas à payer ton loyer? Comment louer quand tu as passé un mois, 2 mois, 3 mois, tu as jeûné, tu as pleuré, tu as crié devant le trône de Dieu et que tu ne vois rien? Comment louer? J'ai dit à Dieu. Comment louer? Et le Seigneur m'a dit, la louange, c'est un sacrifice. La louange, c'est un sacrifice. C'est dans ce sacrifice-là que Dieu viendra déposer le feu. Lorsque Élie a rencontré la femme de Sarepta, elle n'avait rien à manger chez elle. Ah, moi, si c'était moi, j'allais dire, oh là 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 là, j'ai pas grand-chose à manger, tu viens chez moi, tu m'as demandé de te donner, de te servir en premier. Non, 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 j'allais pas le faire. Mais le Dieu d'Israël, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde, avait jugé que c'était par là que la bénédiction allait arriver. Des fois, il te faut poser un sacrifice. Et le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est de dépasser ce que tu es en train de vivre, de dépasser ce que tu vois, de dépasser ce que tu entends, de dépasser ce que tu ressens dans ton âme et de dire oui, je le louerai encore. Et j'ai dit, Marie-Josène, va chercher le courrier. On va lire le courrier devant le trône de Dieu. Et on va louer. Ça, c'est le témoignage de Marie-Josiane. Alors que moi, je passais par des moments très compliqués, très difficiles, où je n'avais ni courage, ni force. Tout ce que je voyais,
Le diable me faisait voir que tu as vu, 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 tu as vu. Est-ce que tu as vu, tu as vu, tu as vu? Et mon âme était dans la tristesse. Comme Jésus a dit dans le jardin de Gethsémané, il dit, je sens la tristesse dans mon âme. C'est Jésus qui l'a dit. Et je dis à Dieu, je passe par la vallée de Baca et je sens la tristesse dans mon âme. Le Seigneur m'a dit, ma fille, loue. 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 Loue et loue et loue. Mais j'ai dit, Dieu, si je dois louer, donne-moi la force de louer. Non, ma fille, commence d'abord. Fais l'effort. Fais l'effort. Mon mari a une habitude que des fois je gronde un peu à la maison. Quand tu es malade, tu n'arrives pas à manger. Il me dit, mais fais un effort, fais un effort. Je dis, mais je te dis que je suis malade, je ne peux pas manger. Il me dit, mais oui, mais fais un effort, fais un effort, fais un effort. Et quand il dit ça, je dis, oh là là, mais tu ne respectes même pas les émotions des autres. On te dit qu'on n'a pas faim. Et souvent, ça m'embête, mais c'est après que j'ai compris. J'ai compris parce que lorsqu'on est malade, eh bien, il faut faire l'effort de manger. Et il avait raison et il a raison. Et souvent, quand je fais l'effort de prendre 1, 2, 3 cuillères, 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, eh bien, ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mon âme. Et souvent, il me dit, même si tu es malade, même si tu ne peux pas manger, fais l'effort. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, cher auditeur, fais l'effort. Même si tu n'arrives pas et que tout ce que tu vois, c'est la désolation. Tout ce que tu vois, c'est le carreau. Tout ce que tu vois, c'est compliqué, c'est difficile. Mais fais l'effort de louer. Alors que je commençais, j'ai dit à Dieu, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Rappelle-toi seulement d'une situation. Il y a des fois, tu n'as même pas la force de te rappeler de tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais rappelle-toi, focalise-toi sur une seule situation. Une seule situation. Une vallée que tu traversais. Une montagne qui était très difficile, très compliquée, mais que le Seigneur t'a aidé. Rappelle-toi de ça seulement. Et connecte ton âme avec ça. C'est une question de guerre et la guerre commence dans la pensée. C'est une question de guerre et la guerre commence dans ta pensée. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. On te dit la chair est faible, mais ton esprit, l'esprit est bien disposé. Si ton corps est faible, mais si ton esprit est fortifié en Jésus, tu vas remporter la bataille. Toutes les fois où je remportais la victoire, où je remportais la bataille, c'est que mon esprit était fortifié, vivifié en Jésus. Toutes les fois que mon esprit ou ma pensée me disait, tu n'es pas capable, tu ne vas pas pouvoir, tu as la peur était, la peur est là, le doute est là, je ne pouvais pas remporter la victoire. C'est une question, c'est une bataille et la bataille commence dans la pensée, dans l'esprit. C'est une guerre. Qui va contrôler ta pensée? Qui va contrôler ton esprit? Qui va contrôler ton âme? Et le diable est expert. Hein? Il a un master dans ça. Mais j'ai la bonne nouvelle pour le diable aujourd'hui, que Jésus, lui, il a un master beaucoup plus supérieur à ce que le diable il a. Connecte-toi maintenant. Connecte ton âme. Rappelle à ton âme. C'est pour ça que le diable ne veut pas que nous témoignions. Il ne veut pas de témoignage. Parce que lorsque nous témoignons, lorsque nous allons témoigner, toi-même, tu vas t'accrocher pour dire, Dieu, tu as fait ça pour Michael. Dieu, tu as fait ça pour Patrick. Dieu, tu as fait ça pour X. Dieu, tu as fait ça pour Pierre. Dieu, tu as fait ça pour Jacques. Dieu, tu as fait ça. Puisque tu l'as fait, tu es capable, tu peux le faire encore pour moi. Si ce matin, ou je ne sais pas à quelle heure, où tu es, quelle heure il est dans ta maison,
Si tu n'arrives pas à te connecter, si tu n'arrives pas à connecter ton âme et que c'est compliqué, c'est difficile, mais rappelle-toi d'une seule chose. Rappelle-toi, oh Saint-Esprit, rappelle à quelqu'un une situation, rappelle à quelqu'un une victoire, rappelle à l'âme de quelqu'un, oh, ordonne à l'âme de te louer, ordonne à la pensée de te louer, ordonne à ce que la force puisse venir maintenant. Ordonne à mon âme de se lever. Ordonne à mon âme de te louer. Ordonne à mon âme et de dire à mon âme, tout va bien. Ordonne à une pensée. Ordonne à quelqu'un qui traverse un moment difficile dans son couple, dans son foyer. Ordonne à quelqu'un qui a une problématique en cet instant. Ordonne à quelqu'un, ordonne à l'âme, ordonne à une pensée de se relever, de dire « Je bénirai l'Éternel encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je bénirai l'Éternel. » J'aimerais te dire que si le diable s'acharne sur toi, si le diable te persécute autant, si le diable t'attaque autant, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu une percée que tu ne vois pas encore. Il a vu une porte ouverte que toi, tu n'as pas encore vue. Il a vu une grâce que tu n'as pas encore détectée. Hein? Lorsque le diable s'acharnait sur Anne, Pénina, la Bible nous dit, Pénina, elle l'embêtait, l'attaquait. Pourquoi? Parce que Anne devait donner naissance à Samuel. Anne devait donner naissance à Samuel. Et comme le diable savait que c'était Anne qui devait donner naissance à Samuel, qui est la réponse de Dieu, parce que les Israélites pleuraient devant le trône de Dieu. Et Dieu va envoyer Samuel. Le diable a commencé par faire quoi? À attaquer Anne par la stérilité. Hein? Je parle à une femme là. Je parle à un homme. Je parle à une femme stérile. Je parle à une femme qui ne peut pas enfanter. Je parle à une femme qui prie depuis des années, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ne baisse pas les bras. Si Anne avait baissé les bras, Samuel n'allait pas venir. Mais au contraire, elle a persévéré. Et boum, bada boum. Aïe, 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 Samuel est venu. Si tu es autant attaqué, sache qu'il y a une grâce qui va arriver. Lorsque j'ai dit à Dieu, pourquoi tout ça? Pourquoi, Seigneur? Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne connais pas la grandeur de ta bénédiction. Si tu connaissais la grandeur de ta bénédiction, tu n'allais pas poser la question. Les attaques sont proportionnées à ta bénédiction. Tant que ta bénédiction est grande, tant que les persécutions seront beaucoup plus grandes. Anne devrait donner naissance à Samuel. Eh bien, c'était quoi? Elle était frappée de stérilité. J'aimerais te dire qu'il y a une percée qui va arriver pour toi. J'aimerais te dire qu'il y a un enfant qui va arriver pour toi. J'aimerais te dire qu'il y a une épouse qui va arriver pour toi. J'aimerais te dire qu'il y a un foyer qui t'attend. J'aimerais te dire, des fois, pour que la bénédiction puisse arriver, je l'ai toujours dit, si j'ai un vieux canapé chez moi, il faut jeter le vieux canapé pour qu'un nouveau canapé rentre dans ma maison. Tant que le vieux est là, le nouveau ne peut pas venir. Il te faut un nouveau canapé, et bien le Christ va jeter l'ancien, il va jeter l'ancien canapé que dans ta maison, il va le jeter.
Tant que ta bénédiction est grande, tant que le diable va s'acharner sur toi. Élisabeth devrait donner naissance à celui qui doit préparer le chemin de Jésus, à celui qui doit préparer le chemin pour accueillir le Messie. Et Élisabeth aussi sera frappée de stérilité. Ah, dis à ton âme, réveille-toi ce matin. Parle à ton âme, dis à ton âme, c'est pour moi. Elle est en train de déclarer. Elle est en train de prophétiser sur moi. Elle est en train de dire des choses sur ma vie. Dis à ton âme. Lorsque Satan a vu que Jésus est né, que Jésus est arrivé sur la terre, qu'est-ce que le diable a fait? Il a massacré tous les autres bébés. Hérode, il a utilisé Hérode pour massacrer tous les autres enfants. Pourquoi? Parce que, il cherchait qui? Il cherchait Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je le répète encore, si tu vois que le combat, ça devient de plus en plus difficile, compliqué, si le diable s'acharne, 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 c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose. J'aimerais te donner cette consolation dans Job 19, le verset 25 à 27. Job dit, ouh là là, Job déclare, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. J'aimerais que tu puisses le proclamer, toi qui pleures, toi qui passes par la vallée difficile. Je connais la vallée, cette vallée difficile. Je suis passée par là. Il y a des fois, tu vas passer sans mari, sans enfant, sans ami, sans père, sans mère. Tu vas traverser la vallée seule. Mais Dieu te dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, dit Job, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. J'aimerais que tu puisses proclamer cette parole. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Oh! L'alpha, l'oméga, le voleur vient toujours en premier. Ah! Mais tant que l'alpha, tant que l'oméga n'a pas encore dit son dernier mot, restez encore. Restez encore. Patientez encore. Attends encore. Parce que Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Je le verrai et il me sera favorable. Ta pensée, ta pensée, ta pensée, ta pensée, ta pensée. Aujourd'hui, nettoyage, Seigneur. Nettoie les pensées. Nettoie les pensées, les pensées, les pensées, les pensées, l'esprit, l'esprit, l'esprit. Tu es un esprit dans un corps. Tu es un esprit dans un corps. Ce n'est pas ton corps le plus important, c'est ton esprit. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, très, très attention avec ton esprit, avec qui tu vas connecter ton esprit. Il faut faire très attention parce que tu es dans un corps et dans un esprit. Tu es dans un corps et tu as un esprit. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Quand je le verrai et il me sera favorable. Flora, réveille-toi ce matin et déclare, je le verrai et il me sera favorable. Je ne sais pas à qui j'adresse cette parole. Quelle que soit la personne qui est connectée actuellement, que tu es connecté sur la chaîne YouTube, que tu es connecté sur la radio en direct, j'aimerais que tu puisses prononcer cette parole qui se trouve dans Job 19, le verset 25 à 27. Je le verrai. Je le verrai, je verrai, je verrai, je verrai, je le verrai, je le verrai, et il me sera favorable. Toi qui n'as plus de larmes, toi qui n'as plus de force, toi qui n'as plus d'espérance, toi qui ne sais plus où aller, où taper, toi qui ne sais plus quoi faire,
Toi qui souffres d'insécurité émotionnelle, d'insécurité spirituelle, financière, j'aimerais te dire, je le verrai, déclare, je le verrai, je le verrai, je le verrai. Si tu as une parole à retenir dans ce moment d'intercession, déclare, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi, mais mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Ah, c'est ce que Job confessait, hein? Il y a des fois, tu as juste besoin d'un seul passage biblique pour confesser. Des fois, tu as juste besoin d'un chant de victoire pour programmer ta journée, pour pédaler ta journée, pour avancer dans ta journée. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il sera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai encore Dieu. Je le verrai, je le verrai. Je le verrai et il me sera favorable. Et il me sera favorable. Et il me sera favorable. Ouvre ta Bible et commence à le déclarer. Et je le verrai. Je le verrai. Je le verrai. Je le verrai. Et il me sera favorable. Quelle est ta requête? Quelle est ta demande? Quelle est ta requête? Quelle est ta demande? Je verrai, je le verrai, je le verrai, je verrai ma guérison. Le Seigneur sera favorable, il me sera favorable. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je te loue, je t'adore, je te célèbre. Loin de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, loin de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, loin de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, loin de mon cœur, Emmanuel, Emmanuel, je te loue, je t'adore, je te célèbre. Loin de mon cœur, je te prie, je te cherche, je te veux, loin de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, loin de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre. Loin de mon cœur, je te prie, je te cherche, je te veux, loin de mon cœur, je te prie, je te cherche, je te veux, loin de mon cœur, Emmanuel. Il y a des moments quand tout est noir, tout est sombre et que tu ne vois rien, même si ton âme n'a pas envie de louer.
crie, je te prie. Crie, je te cherche. Crie, je te veux, roi de mon cœur. Tu n'as pas besoin de la radio, toi, ange. Est-ce que tu as besoin de Michael? Tu n'as pas besoin de Michael. La seule personne qui est capable de te sortir de cette situation, c'est Jésus. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Crie Emmanuel, Emmanuel, lève tes mains, crie Emma, Emma, Emmanuel. Il y a des jours où tu dois pousser un cri. Il y a des jours où ta victoire ne viendra pas en restant dans ta maison en ressassant. Ta victoire viendra en poussant un cri. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole, pousser des cris de joie. Il y a des églises où la louange, elle est morte, tu viens, Emmanuel. On t'a dit de pousser un cri de joie. On t'a pas dit de venir pleurer. On t'a dit de pousser un cri de joie. Ce matin, réveille-toi et pousse un cri de joie. Ah, il y a des jours quand mon âme est tellement abattue. Oh, oui, quand mon âme est vraiment abattue. Je commence à pousser un cri de joie. Oh, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Des fois, il faut poser la question à ton âme. Oh mon âme, dis-moi, pourquoi tu es abattu? Même au milieu de la tempête, il est là. Oui, mon âme. Pourquoi t'es abattu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi, je le louais encore. Moi, je le louais encore. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Quand tout va mal, ô mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, oh, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi, je le louais encore. Moi, je le louais encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Allez, chante avec moi, oui, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. C'est David qui dit à son âme, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi mon âme, pourquoi? Des fois, il faut que tu t'assoies. Comment on peut le dire? Des fois, tu dois prendre une chaise, tu t'assois et tu parles à ton âme. Pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes?
Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Pourquoi tu trembles? Pourquoi, mon âme? Dis-moi pourquoi. Ah, oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, oh, il est là. Mais quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi, je le louais encore. Moi, je le louais encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel. Une des réponses face à l'anxiété, une des réponses face à l'angoisse, le stress, la peur, c'est la louange. La louange, la joie de l'Éternel. Parce que lorsque nous commençons à louer, la joie de l'Éternel descend sur nous. Et Satan n'aime pas la joie. Il n'aime pas la louange. Parce que lui, il était dans le ciel. Il sait ce que ça veut dire. Il connaît Dieu. Mais nous, moi, je ne suis pas encore montée au ciel. Ça veut dire quand moi, je vais louer le Seigneur, ma louange a plus de puissance. Parce que je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore touché, alors que le diable, lui, il était dans le ciel. Ça veut dire quoi? Il va essayer par tous les moyens de m'empêcher de louer. Ah! Des fois, on s'acharne sur la délivrance. Ah, la délivrance, délivrance. Oui, on a besoin de délivrance. Mais le diable, lui, ce n'est pas plus la délivrance qui le fait peur. La confession, des choses comme ça, c'est ton temps d'intimité avec Dieu. C'est ton temps d'intimité parce qu'il sait que si tu restes accroché, si tu restes attaché à l'Éternel, si tu passes du temps avec l'Éternel, ton esprit, ton âme, ton corps sera fortifié. Tu ne seras ni dans l'abattement, ni dans l'apitoiement, ni dans la peur, ni dans la crainte, parce que le Seigneur viendra toujours pour te donner une parole de consolation. Et il va tout faire pour combattre ton intimité. Le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas l'intimité. L'intimité avec le Christ. Le psaume 91 déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, ça veut dire quoi? Rester logé. Et il va tout faire. Te voler ton intimité. Ton intimité par quoi? Par la distraction, la peur, la crainte, l'abattement, l'apitoiement. Les problèmes, la maladie, la stérilité, les peurs, les craintes. Les histoires avec ton enfant, les histoires avec tes enfants, ton mari, ta femme. Hein? La distraction, la sorcellerie. Mais quand le diable vient, il te voit en train de louer. Il te voit en train de dire que quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pose la question à ton âme. Dis à ton âme pourquoi t'as battu. Je vous ai raconté mon histoire tout à l'heure en disant que je passais par un moment difficile et que j'avais dit à Dieu que je n'avais pas la force, que je ne pouvais ni chanter,
Et il m'a dit, chante. Chante. Et j'ai commencé à chanter. Au moment où j'ai commencé à chanter, mon âme commence à se focaliser sur le Christ. La force est venue, 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 la force est venue. Et j'ai commencé à me relever. J'ai commencé à me relever. J'ai commencé à me relever. J'ai commencé à me relever, 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 relever. C'est comme ça la force est entrée. J'aimerais te dire que si le péril augmente, Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous la force, car tu restes présent. Marcher en ta présence. J'aimerais chanter ce chant qui me vient à l'esprit. Marcher en ta présence, Seigneur. Marcher en ta présence, le numéro 160, hymne et louange. Si le péril augmente, Seigneur, augmente-nous la foi. Si les problèmes augmentent, si la difficulté augmente, si ça persiste, Seigneur, augmente-nous la foi. Si le chômage persiste, Seigneur, augmente-moi la foi. Si la maladie persiste, Seigneur, augmente-nous la foi. Dieu ne fait pas la différence entre un mal de tête. Dieu ne fait pas la différence entre un mal de gencive, un mal de dos. Dieu ne fait pas la différence entre un mal de gencive, un mal de dos avec un cancer. Cancer, mal de dos, mal à la tête. Pour Dieu, c'est pareil. Pour Dieu, c'est la même chose. C'est Satan qui vient. Il nous donne des noms compliqués, des noms difficiles. Hein? Des noms compliqués, des noms difficiles pour que nous puissions, pour que le problème puisse s'agrandir, agrandir, agrandir, pour que nous ne voyions pas la puissance de notre Dieu. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur. Si le péril augmente, augmente-nous la foi, Seigneur. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur, ne chercher qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour. Et que l'Esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus, notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus, notre roi. Si le péril augmente, Seigneur, augmente-nous la foi. Si la maladie s'aggrave, Seigneur, augmente-nous la persévérance et la foi et la louange. Si le chômage persiste, si les pleurs continuent,
Si malgré 21 jours de prière, 30 jours de prière, 2 mois de prière, 3 mois de prière, ça persiste, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Seigneur, si tout devient noir, si tout devient compliqué, donne-nous encore la force de te louer, la force de chanter encore, la force de dire que tout va bien, la force de dire oui, mon âme, ça va, la force de dire que oui, je le louais encore, oui, je le louais encore. Alors que je traversais un moment difficile, très compliqué, j'ai dit, je vais lire, je vais prendre le Seigneur m'a dit, prends le psaume 29. J'ai fait le psaume 29, comme j'avais besoin de soutien, j'ai appelé mon petit dernier, mon fils Gabriel, j'ai dit, allez, on va faire le psaume 29 ensemble. Et on a fait le psaume 29 ensemble, qui est un psaume de victoire, un psaume de louange, un psaume d'action de grâce. Ce matin, je ne ferai pas avec Gabriel, je vais faire le psaume avec Dorcas. Nous allons faire plusieurs prières. Rappelle-toi que c'est une question de pensée, d'esprit. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Si le péril augmente, Seigneur, augmente-nous la foi. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vécu. Oh, c'était pas prévu que je chante ce chant, mais ce chant me vient à l'esprit de 365. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. 365, ce n'était pas prévu, mais je vais chanter ce chant. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Si mon impatience demanda avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra, par ta parole sainte. Tu réponds à ma plainte, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus me plaindre contre moi qui sera, contre moi qui sera. Oh, en avant et courage jusqu'au bout du voyage, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi
s'ouvrira devant moi, s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. Il a fallu que Nebuchadnezzar chauffe la fournaise ardente 4 fois pour que la troisième personne, la quatrième personne puisse descendre dans la fournaise ardente. Ah, la révélation ce matin. Si Nebuchadnezzar n'avait pas chauffé la fournaise 4 fois, la quatrième personne que Nebuchadnezzar a vue dans la fournaise ardente n'allait pas descendre. Il y a des dimensions, il y a des problèmes, il y a des choses. L'ennemi s'attend. Dieu dit à l'ennemi, vas-y, chauffe, vas-y encore, vas-y encore, vas-y encore. Parce que plus puissant, plus le danger menace, plus puissante sera la grâce. Plus le danger menace, plus puissante sera la grâce. Des fois, c'est Dieu lui-même qui dit à l'ennemi, vas-y, chauffe. Chauffe encore, chauffe encore, chauffe encore, parce que tu vas voir ma grandeur, tu vas voir ma puissance, tu vas voir ma grandeur. Lorsque le diable dit, je vais attaquer Job, Dieu dit, vas-y, vas-y Coco, vas-y Coco, vas-y encore, vas-y encore, vas-y encore, parce que Dieu allait bénir Job d'une manière extraordinaire. Il y a des situations, il y a des problèmes. Le diable a besoin de voir la grandeur de ton Dieu. Et Dieu va le laisser faire, faire. Allez, 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 allez. Il va pousser ton mari. Il va pousser quelqu'un. Il va pousser ta famille. Il va pousser quelqu'un dans ton travail. Mais reste accroché. Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Ta persévérance te donnera la victoire. Car plus le danger menace, plus puissante est la grâce. Plus le danger menace, plus puissant est la grâce. Oh, encore un troisième chant, un deuxième chant qui me vient encore à l'esprit, c'est le 318. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond, plus l'abîme est béant sur mes pas, plus le péril extrême. C'est pas n'importe quel péril, on te dit le péril extrême. 318. 318. Plus le péril extrême, plus puissant et la grâce. 318, plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie oh Jésus dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier. Oui, c'est toi si je faiblis qui guérit mes blessures. Pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Deuxième couplet. Parmi tous les dangers, ceux qui n'ont pas le cantique, vous pouvez taper 318 sur Internet. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi
Si je faiblis, qui guérit mes blessures pour pouvoir tout sur toi? Je n'ai qu'à m'appuyer. Le numéro 3. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire, mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours, selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Tu me donnes toujours, selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Seigneur, avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Amen. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Je ne sais pas par où je vais passer. Je ne sais pas par quel chemin, mais le Seigneur me donnera la victoire. Je ne sais pas par quel chemin, par où tu vas passer, mais le Seigneur te donnera la victoire. Toi qui pleures, toi qui n'as pas d'espoir, toi qui es humilié, rabaissé, rejeté, mais sache que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Souviens-toi toujours que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan. Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Nous allons prendre le psaume 39 et nous allons faire la lecture. Dorcas, est-ce que tu es là avec moi? Dorcas n'est pas là, mais si tu veux, je peux faire la lecture. Non, ce n'est pas la lecture, c'est la prière. Alors, Ah. Dorcas, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là, alors qu'elle a le lien. En attendant que peut-être qu'elle se connecte maintenant, j'en sais rien. Dorcas, si tu es connecté, si tu es sur YouTube, merci de te connecter sur le lien. En attendant, je vous invite à prendre un temps de prière. Mm-hmm.
Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui sens déjà qu'il y a quelque chose qui l'atmosphère commence à changer parce que là, je sens la présence de Dieu qui descend. Oh merci Jésus. Commence à dire merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire sur RPA. Une chose nouvelle va arriver pour cette radio. Merci Jésus. Merci Jésus. Une chose nouvelle va arriver. Quelque chose de nouveau va arriver pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à crier. Merci Jésus. Merci Jésus. Même si tu ne vois rien. Merci Jésus. Merci Jésus. Lorsque Élie avait déjà prophétisé, il dit à Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie est parti sur la montagne. Il a prié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. À la septième prière, il commence. Merci Jésus. Lève tes mains. Merci Jésus. Tu ne vois rien, mais je te dis qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Adeline, commence à dire merci. Merci Jésus. Dorcas, commence. Oh, merci Jésus.
Merci Jésus. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie, mon âme. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie, mon âme. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons faire les prières avec le psaume 29 avec Dorcas. Je commence. Bienvenue Dorcas. Merci Michael. Bienvenue Merci. À tout le monde. Amen. Je commence. Prépare-toi. Psaume 29. Nous allons le lire ensemble, le psaume 29. Fils de Dieu. Rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Quelle que soit ta situation ce matin, le psaume dit rendez à l'Éternel. On t'a pas dit garde. Hein. Le psaume t'oblige, hein. Le psaume 29 t'oblige. Le psaume te dit rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est ton tour d'orgueil. Prions. Éternel, notre temps de paix qui vit dans les cieux. Papa, tu nous as richement bénis ce matin. Tu nous as richement bénis, Seigneur. Et nous te disons merci, nous te rendons gloire. Toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui es Dieu. Jéhovah, nous te louons, nous te magnifions pour tous tes bienfaits. Oh Seigneur, le diable nous fait souvent focaliser sur ce que nous n'avons pas. Mais nous voulons changer la donne ce matin. Et regardez sur tout ce que tu nous as donné, Seigneur, tout ce que tu nous as fait. Et nous te disons merci. Merci, Jésus. Merci. Merci, alléluia. Merci à toi, oh Dieu. Toi qui fais de nos combats tes combats. Toi qui nous as toujours tenus par la main, oh roi. Merci pour ce moment, pour cette demi-journée de jeûne et prière, Yahweh, que tu nous as accordé. Oh Seigneur Jésus, gloire à toi. Honneur à toi. Parce que tu feras encore de grandes choses pour nous. Tu feras encore de grandes choses, Seigneur, pour tes enfants. Oh, gloire à toi, le ressuscité. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier, même si j'ai les os, la chair collée sur les os, la peau collée sur les os. Gloire à toi, alléluia, d'éternité en éternité. Merci, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Ouh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Connecte ton âme. Merci Jésus. Oblige ton âme à dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le verset 2. Psaume 29, le verset 2. Rendez à l'Éternel gloire. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. J'ai une copine, peut-être qu'elle écoute la radio en ce moment. Elle m'a raconté, elle m'a expliqué la victoire qu'elle a eue avec ce psaume de louange, juste en louant le Seigneur. Alors qu'elle accompagnait quelqu'un, elle priait avec quelqu'un qui était persécuté par un sorcier. Elle priait avec la personne, elle priait avec la personne. À chaque fois que le sorcier envoyait la sorcellerie sur cette personne, elle priait, elle priait, elle priait. Et puis un jour, le sorcier a déclaré, le sorcier a dit non. Cette fois-ci, je ne vais pas attaquer la personne. Je vais attaquer celle qui prie, celle qui l'aide. Et le sorcier a envoyé une sorcellerie sur cette personne. Ah, elle m'a raconté son témoignage. Alors qu'elle était dans sa chambre, elle m'a dit, je sens quelque chose qui est rentré.
Et je dis, Seigneur, avec quoi je vais remporter la victoire? Et le Seigneur lui dit, prends le psaume 29 et commence à louer, commence à célébrer ma grandeur et tu verras ma gloire. Oh, le Seigneur Jésus-Christ lui a donné la victoire. J'aimerais te dire ce matin, rendez à l'Éternel gloire, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Mon âme, prosterne-toi devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Car la voix de l'Éternel retentit sur RPA ce matin. La voix de l'Éternel retentit sur mon problème. La voix de l'Éternel retentit sur mon problème. La voix de l'Éternel retentit sur le chômage. La voix de l'Éternel retentit sur la maladie. La voix de l'Éternel retentit ce matin sur la radio Trois Anges. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur la radio Trois Anges. Rendez à l'Éternel gloire. Dorcas est en cours. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci parce qu'avec toi nous avons la victoire. Avec toi, Seigneur, nous partons à la bataille étant déjà vainqueurs parce que tu es celui-là qui prend le petit et le grand javelot et tu combats pour tes enfants. Nous rendons gloire à ton nom maintenant, en cet instant, pour tout ce que, Seigneur, tu as fait pour nous. Et nous nous prosternons devant ta face, ô Éternel, car tu es celui-là, Seigneur. Fais retentir ta voix dans nos vies. Fais retentir ta voix, Seigneur, dans nos soucis. Fais retentir ta voix, Adonai, dans nos problèmes de papier en France. Fais retentir ta voix dans nos problèmes de logement. Fais retentir ta voix, Seigneur, dans nos problèmes de couple, dans nos problèmes d'enfantement, dans nos problèmes de mariage, ô Dieu. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, car la voix de l'Éternel retentit sur tous les endroits où se trouvent ses enfants. Adonai, qui est grand comme toi. Toi qui es riche en bonté et lent à la colère. Toi qui es plein de compassion pour ceux qui te cherchent. Yahweh, nous crions à toi ce matin. Parce que nous savons que quand tu dis, la chose arrive. Quand tu valides, Seigneur, dans le ciel, aucun homme sur la terre n'a une application pour désactiver. Et nous te disons gloire, honneur à toi, le ressuscité. Toi qui vis d'éternité en éternité. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui vois toutes choses avant le commencement, gloire à ton nom, Seigneur. Fais retentir ta voix dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, ô Dieu, afin que ta volonté se fasse au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Le verset 4, la voix de l'Éternel est puissante, alléluia. La voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban, quel que soit ton nom. La parole de Dieu dit, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban, je ne sais pas si vous connaissez. Allez taper sur Internet. Regardez ce que ça veut dire, les cèdres du Liban. Hein? Tapez. Allez voir. Mais la parole de Dieu dit, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Quel que soit ton nom, quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ton autorité, quel que soit le nom de ta maladie, la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Un matin, je me lève chez moi. Ma maison était vraiment dans un chaos. C'était vraiment compliqué.
Alors que je voulais élever ma voix pour me mettre en, pour commencer à râler, le Seigneur me dit, pourquoi tu loues pas? Pourquoi tu ne loues pas? Et j'ai commencé à élever ma voix. La voix de l'Éternel est puissante. Je ne sais même pas si ma voisine a entendu, si ma voisine n'a pas entendu, mais j'ai commencé à crier dans mon salon. La voix de l'Éternel est puissante. Je vais dans la salle de bain, je dis, salle de bain, sache que la voix de l'Éternel est puissante. Ma chambre, sache que la voix de l'Éternel est puissante. Toi qui entends des bruits chez toi, toi qui entends des choses, il y en a qui appellent pour dire que oui, prie pour moi, ma maison est tourmentée, ma maison est hantée. Ouvre ta bouche et déclare dans ta maison, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. Un matin, je me lève, je prends une odeur de pourriture. Je commence à dire à l'ennemi, la voix de l'Éternel est puissante dans ma maison. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les fers. Toi qui as besoin de délivrance, je proclame que la voix de l'Éternel te traverse ce matin. Seigneur, que ta voix puisse combattre mes adversaires. Que ta voix ce matin combat ceux qui me combattent, combat ceux qui se lèvent contre moi, combat ceux que je ne vois pas, combat ceux qui veulent ma perte, combat celui qui veut mon malheur, combat, combat car la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, combat ceux qui combattent mes enfants, combat celui qui dit que je n'avancerai pas, combat celui qui dit que je ne prospérerai pas. Combat celui qui m'empêche de prier. Combat celui qui me met dans la distraction de Facebook, WhatsApp, Internet. Combat, 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 car la voix de l'Éternel brise, brise les sphères du bas, brise une maladie en cet instant, car la voix de l'Éternel passe sur sa radio. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La voix de l'Éternel brise les sphères du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrien comme des jeunes buffes. La voix de l'Éternel, Dorcas, c'est ton tour maintenant. Amen, 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 alléluia. La voix de l'Éternel brise les stèles du Liban. Seigneur, brise tous les plans de l'ennemi dans nos vies. Brise ces maladies, Seigneur, qui nous font du mal. Amen. Que ces personnes, Seigneur, qui passent par un cancer, au nom de Jésus, la voix de l'Éternel brise. Amen. Que ces personnes qui passent par une hypertension, un diabète, la voix de l'Éternel brise. Alléluia. Que ces personnes qui passent, Seigneur, par des douleurs articulaires, la voix de l'Éternel brise. La voix de l'Éternel brise. Oh Dieu, brise, Seigneur Jésus. Le diable formule des plans pour détruire la vie de l'Éternel. Mais un seul mot, la voix de notre Dieu. La voix de notre Seigneur brise toute chose, oh Dieu, brise cela dans ma vie, brise dans la vie de nos frères et sœurs, des auditeurs qui nous écoutent. Un seul mot, Seigneur Jésus, brise Yahweh, car tu es notre Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? La voix de l'Éternel brise tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Que le nom de notre Dieu soit loué, exalté. Papa, merci, brise, oh Dieu. Brise, Seigneur. Brise, va au plus profond de nos entrailles, Seigneur. Ce que l'ennemi a planté, Papa, déracine et brise, oh Dieu. Car nous avons les yeux fixés sur toi. Comme les yeux des servantes sont sur la main de leur maîtresse, nos yeux sont sur toi ce matin. Papa, nous attendons de toi toutes choses. Brise, Seigneur, ce qui nous empêche de te suivre. Brise, Seigneur, ce qui nous distrait. Brise, oh Dieu. Ce que nous mettons devant nos yeux, brise, Seigneur, afin que toi seul, tu sois notre priorité. Que toi seul, Seigneur, tu sois notre partage. Brise, Seigneur, ces liens d'envoûtement dans nos vies. Brise, ces liens, Seigneur, de distraction, d'addition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise cela, Seigneur, brise tout, car c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence, ô Dieu, à tes enfants. Brise, Seigneur, tout ce que le diable a planté pour que nous soyons loin de toi. Brise, ô Dieu, afin que nous soyons à tes pieds pour te louer et pour t'adorer, car tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous aime. Oh, Jéhovah, nous te rendons gloire. Merci pour tes bontés qui ne t'arrêtent jamais. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Que cette journée soit une journée, Seigneur, différente des autres, car nous t'aurons rencontré à nouveau, Seigneur, et que tu auras brisé toutes choses dans nos vies.
Béni sois-tu, Seigneur, dès maintenant et à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pendant que ta voix traverse RTA, fais vomir ceux qui ont besoin de vomir. Fais vomir ceux qui ont besoin de vomir. Fais cracher ceux qui ont besoin de cracher. Fais ôter, fais bailler, fais sentir ceux qui doivent être sentir dans nos âmes. Alléluia. Toute forme de séduction dans mon âme. Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur, merci Jésus. Visite mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Merci Jésus. Mon âme, Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le verset 7 nous dit, nous sommes dans le verset 7, il dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ah, le feu. Le feu. Le feu, 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 le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, feu du fondeur, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint. Être saint, mis à part pour toi, mon seul maître. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à tomber. Sache que le feu de l'Éternel ne te fera aucun mal. Lorsque Moïse va rencontrer la divinité. Il va le rencontrer dans un buisson. Le Seigneur va attirer Moïse. Il va attirer la pensée de Moïse. Il dit à Moïse, laisse ta femme, laisse tes enfants, monte sur la montagne. Laisse ta femme, laisse tes enfants, laisse ton troupeau et monte sur la montagne. Et Moïse sera attiré sur la montagne. Il est attiré. Il est attiré. Il est attiré. Il est attiré, 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 attiré. Et il monte, 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 il monte. Pour aller où? Dans le lieu de la rencontre, dans le lieu de l'intimité. Parce que c'est dans le lieu de l'intimité que tu rencontreras le feu de l'Éternel. Amen. Et dans ce lieu d'intimité, le lieu d'intimité à 4 heures du matin, le lieu d'intimité à 5 heures du matin, le lieu d'intimité le soir, seul, en tête à tête, que tu vas rencontrer le feu de l'Éternel. Dieu dit à Moïse, tu vas laisser l'Égypte. Dieu dit à Moïse, tu vas laisser Séphora, tu vas laisser tes enfants et tu montes sur la montagne. Alors que Moïse était un berger, il ne connaissait pas encore, il n'avait pas encore vu le feu de l'Éternel. Et Moïse va monter sur la montagne. Et en arrivant sur la montagne, il sera attiré à regarder. Il y a un buisson qui ne se consume pas. J'aimerais te dire, le feu va passer. Il ne va pas te consumer. La présence de Dieu, c'est un feu dévorant. Mais il ne te dévorera pas. Il va dévorer le mal. Il va dévorer la maladie. Il va dévorer le mensonge en moi. Il va dévorer la distraction en moi. Oh Seigneur, ton feu pour dévorer la distraction. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu pour me concentrer sur toi. Ton feu, 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 ton feu contre l'incrédulité. Ton feu contre la dévalorisation dans ma bouche. Ton feu contre l'accusation. Ton feu, ton feu, le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Et Moïse va regarder. Il voit le buisson ardent. Il voit le feu de l'Éternel.
Moïse est choqué parce qu'il ne comprend pas. Comment ça se fait le feu ne consume pas le buisson? Le feu de l'Éternel n'a pas été préparé pour toi, mon ami. Le feu de l'Éternel n'a pas été préparé pour toi, ça a été préparé pour le diable. Le feu de l'Éternel n'a pas été préparé pour toi, donc c'est pour cela que ce matin, tu ne vas pas être consumé. Consume, 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 consume la haine. C'est la haine qui doit consumer. Consume la jalousie en moi. Consume la jalousie, consume la jalousie, consume la jalousie, consume la jalousie, consume la jalousie en moi. Consume, 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 consume toute forme de jalousie. Consume les complots, consume la maladie. Ah, des fois, tu dois demander à ce que le feu de Dieu puisse consumer la maladie en toi. Des fois, là, la maladie est cachée. Elle est cachée, elle attend. Une année, deux années, trois années pour se déclarer. Et pourtant, elle était bien cachée en toi. Elle était là avec toi. Tu vas chez le médecin, on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Et ça attend une année, deux années pour dire bonjour. Ce matin-là, ou ce soir, ou cet après-midi, je ne sais pas quelle heure tu regardes cette émission, le feu de l'Éternel. Amen. Le feu de l'Éternel, la voix de l'Éternel fait jaillir le feu, le feu, le feu, le feu. La voix de l'Éternel fait trembler, 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 la parole de Dieu dit. Trembler, 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 trembler le désert, trembler le désert, trembler le désert, trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille, elle dépouille, elle dépouille, elle dépouille, elle dépouille. Seigneur, dépouille ceux qui m'ont pillé. Dépouille, 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 dépouille ceux qui m'ont volé des années. Dépouille, 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 dépouille l'adversaire. Dépouille l'ennemi. Dépouille, 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 dépouille. Dépouiller la maladie, dépouiller le cancer, dépouiller les tumeurs, car la voix de l'Éternel dépouille. Elle dépouille, elle dépouille, elle dépouille. Partout où je devrais être en haut et que le diable m'a mis en bas, dépouillez-les. Dépouiller, 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 car la parole de Dieu dit. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tous ces cris gloire, tous ces cris gloire, tous ces cris gloire, tous ces cris gloire, tous ces cris gloire. Que la voix de l'Éternel dépouille tes adversaires. Que la voix de l'Éternel dépouille le chômage en toi. Que la voix de l'Éternel dépouille l'anxiété, dépouille la peur, dépouille l'insécurité, dépouille la séduction, dépouille la maladie, dépouille la peur, dépouille-les, dépouille-les. Dépouiller chez ma fille, dépouiller chez mes enfants, dépouiller dans mon mariage, dépouiller dans mon ministère. La voix de l'Éternel dépouille, 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 dépouille. Dépouiller les acouphènes. Dépouiller, 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 dépouiller les acouphènes. Dépouiller les mal de dos. Dépouiller l'anxiété. Mal de tête, mal au dos, mal au genou. Dépouiller, 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 dépouiller les dettes. Dépouiller les dettes dans ma vie. Dépouiller, 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 dépouiller le mensonge. Dépouiller la haine dans mon cœur. Dépouiller le rejet. Dépouiller, dépouiller, dépouiller la frustration chez moi. Dépouiller, dépouiller la projection. Dépouiller, 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 car la voix de l'Éternel, elle dépouille. Dépouiller, 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 dépouiller l'insécurité chez moi. Dépouiller l'impudicité chez moi. Dépouiller, dépouiller toute forme d'impudicité. Impudicité en lien avec la pornographie, la masturbation. Dépouiller, 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 dépouiller les addictions. Addiction au sucre, addiction à l'alcool, addiction à la cigarette, addiction aux bières, addiction au sucre. Addiction à la graisse, addiction aux amis, addiction à l'écran, addiction, addiction au travail. Dépouiller, 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 dépouiller dans ma vie. Dépouiller dans mon ministère. Dépouiller, dépouiller, dépouiller toute
connexion qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Dépouillez-les pour la sœur Colette, dépouillez pour la sœur Dina, dépouillez pour Evelina, dépouillez pour Dorcas, dépouillez pour Jabron, dépouillez pour Suzelle, dépouillez pour Nadine, sœur Nadège, dépouillez sœur Nadine, la voix de l'Éternel, elle dépouille Colette, dépouillez Babette, la voix de l'Éternel, elle dépouillez Marie-Josène, elle dépouille Sandrine, la voix de l'Éternel, elle dépouille Françoise, la voix de l'Éternel, elle dépouille Rémi, elle dépouille la voix de l'Éternel pour toi, dépouillez pour Vanessa, dépouillez pour Amandine, Ameline, la voix de l'Éternel, elle dépouille pour Maggie, Nathalie, Mireille, la voix de l'Éternel, elle dépouille les douleurs, elle dépouille dans mon âme, dépouillez pour Elisabeth, dépouillez pour Rebecca, dépouillez ce matin, elle dépouille pour Suzelle, dépouillez ce matin, Adeline, la voix de l'Éternel, elle dépouille, dépouillez tout ce que le diable m'a volé, dépouillez pour Isabelle. La voix de l'Éternel, elle dépouille pour Barbara, pour Lydie, pour Lintia. La voix de l'Éternel, elle dépouille. Dépouillez pour ma sœur Aline. Dépouillez, car la voix de l'Éternel traverse. La voix de l'Éternel fait trembler. Elle fait enfanter les biches, sœur Dina. Elle fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. À toi, Dorcas. Éternel, merci, Papa, merci. Merci, Yahweh, car tu dépouilles toutes choses dans nos vies. Dépouille, Seigneur, tout ce qui nous vole tous les jours. Cet ennemi qui vole notre temps, qui vole notre attention, qui vole notre moment de relation avec toi, ô Jésus, dépouille-le. Et rends-nous, Seigneur, ce moment de te louer, t'adorer comme il le faut. Ce moment de te chercher, Seigneur, brûle, ô Dieu, que la flamme de feu brûle. Brûle jusqu'à extermination, ô roi, tous les plans de l'ennemi dans nos vies. Brûle ces maladies, Seigneur, qui sont installées dans nos corps. Brûle, Seigneur, cette jalousie. Brûle ce manque d'estime de soi. Brûle, Seigneur, cette souffrance qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées. Et dispose de notre âme, Seigneur, à ton écoute. Oh Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Seigneur, ta voix fait enfanter les biches. Mm-hmm. Ta voix, Seigneur Jésus. Ta voix qui est puissante. Ta voix, Seigneur, qui est majestueuse. Papa, nous entendons ta voix ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, parle à nos âmes. Échange les choses, ô roi. Nous venons devant toi pour que tu puisses déraciner ce qui ne va pas dans nos vies, que tu puisses brûler, Seigneur, tout ce qui ne va pas dans nos vies, que tu puisses faire trembler, Seigneur, le désert que nous avons dans nos vies et que nous soyons, Seigneur, dignes et appelés enfants de Dieu. Yahweh, dépouille nos forêts. Dépouille, Seigneur Jésus, tout ce que nous avons caché en nous, tout ce que l'ennemi nous a incité à cacher en nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, brûle l'adultère, brûle la fornication, brûle le mensonge, brûle la tristesse, brûle, Seigneur Jésus, brûle tout ce qui ne t'honore pas, ô roi. Et rends nos cœurs fertiles à ta parole. Rends nos cœurs, Seigneur, utiles à toi. Rends nos cœurs, Seigneur, prêts à écouter ta voix. Yahweh qui est grand comme toi. Permets à ce que nous puissions, Seigneur, causer avec toi comme l'a fait Moïse.
afin que, oh Dieu, que tu puisses nous dire ce qu'il faut faire. Tu parles à nos cœurs, Seigneur, tous les jours. Et fais taire la voix de l'ennemi, Seigneur, qui nous entraîne dans des distractions, qui nous entraîne, Seigneur, dans des additions. Oh Dieu, brûle ces voix, Seigneur, dans nos cœurs. Et que nos cœurs, Seigneur, écoutent uniquement ta voix. Yahweh, tu nous as délivrés ce matin. Nous venons devant toi en ce moment de repentance. Te remercier pour tout, Seigneur Jésus. Te dire combien tu es bon, combien tu es majestueux, tu es miséricordieux. C'est par grâce que nous sommes là. Parce que tu avais préparé ce message pour nous, Seigneur. Nous vivions comme si rien n'était, comme si tout allait bien. Mais l'ennemi, Seigneur, a planté des choses dans nos cœurs. L'ennemi a volé notre temps d'alliance avec toi. L'ennemi a volé notre temps de communion avec toi. L'ennemi, Seigneur, a orienté nos regards ailleurs, dans des réseaux sociaux, dans des distractions inutiles. Oh Dieu, Papa, brûle cela. Brûle, Seigneur Jésus, brûle cela. Et permet au roi ce que nous puissions retourner à notre premier amour qui est toi. Que Amen. Toi seul, tu sois la priorité au roi. Papa, nous sommes aujourd'hui où le monde va à une vitesse qu'on ne peut pas calculer. La technologie a un niveau très élevé. Mais gloire soit rendue à toi pour cette radio trois anges, oh Dieu. Où aux extrémités de la terre, l'être humain comprendra que l'Éternel est Dieu et que tu vis dans les cieux. Tu es capable de tout pour tes enfants. Papa, là où ils nous écoutent, que ta voix, Seigneur, les atteigne. Que ta voix, Seigneur, touche leur cœur. Que ta voix touche leurs entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De savoir que le monde nous offre des distractions. Il ne nous amènera nulle part. Mais avec toi, Seigneur Jésus, comme pilote, nous arriverons à bon port. Car tu es celui-là qui nous aime. Tu nous aimes d'un amour éternel. Le diable nous offre, Seigneur, sur un plateau en or. Il nous fait miroiter que tout va bien. Mais Jéhovah, nous connaissons les conséquences. Mais nous y allons les yeux fermés. Mais ce matin, Yahweh, brûle. Brûle, Seigneur, dans la vie de nos jeunes qui sont accros sur TikTok, accros sur Internet, Seigneur Jésus. Brûle, Papa. Afin que quand ils vont toucher, que ce soit les versets bibliques qui apparaissent, que Amen. Ce soit ta voix, Seigneur, qu'il écoute, et non ses mentors, ses coachs, Seigneur, qui éloignent notre jeunesse. Même pas seulement les jeunesses, Seigneur, même nous, les adultes, Amen. Nous les écoutons. Nous les écoutons, Seigneur, avec les yeux fermés. Nous faisons confiance aux gens que nous ne connaissons même pas, que nous voyons derrière un écran. Mais toi, tu vis en nous. Toi, tu vis dans nos cœurs. Tu es là dans nos quotidiens. Tu luttes avec nous. Tu nous consoles quand nous pleurons. Oh Seigneur Jésus, brûle toutes ces distractions. Brûle, Seigneur, toutes ces additions. Et prends le siège, Seigneur, de trône dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises, dans nos foyers. Et dirige toutes choses, Seigneur Jésus. Yahweh, merci. Merci parce que tu auras tout dépouillé, Seigneur Jésus. Et merci pour tes bontés, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Amen. L'Éternel donne la force à son peuple ce matin. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Si toi tu es sûr de ta délivrance, tu peux écrire en disant victoire. Victoire. Tu peux commencer à le déclarer victoire.
Victoire. Tu peux commencer à dire à l'Éternel, victoire. Tu peux commencer à dire à ton problème, victoire. 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 Pourquoi? Parce que l'Éternel est sur son trône. Parce que l'Éternel est sur son trône. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel me donne la force. L'Éternel m'a accordé la victoire. L'Éternel m'a guéri. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel a payé ma dette. L'Éternel m'a donné le permis. L'Éternel m'a donné la victoire sur mon mari, la victoire sur ma femme, la victoire sur le travail, la victoire, la victoire, la victoire. Oh, mon ennemi, ne te réjouis pas car la victoire arrive, la victoire arrive, la victoire arrive, la victoire arrive, car l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple, l'Éternel bénit son peuple. Bénédiction, 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 bénédiction sur mon âme, bénédiction sur ma famille, bénédiction sur mes enfants, bénédiction, bénédiction, bénédiction pour RTA, bénédiction, bénédiction, bénédiction pour son peuple, bénédiction, l'Éternel bénit son peuple et il le rend heureux, heureux, heureux. Heureux, la joie du Seigneur est mon partage. La joie du Seigneur est mon partage. La joie du Seigneur est mon partage. L'huile de la joie est sur ma tête. La couronne de la joie est sur ma tête. La couronne de la joie est sur ma tête. La couronne de la joie. L'huile de la joie. L'huile de la joie. L'huile de la joie dans mes pensées. Car l'Éternel bénit son peuple. L'Éternel bénit mon âme. L'Éternel bénit mes finances. L'Éternel bénit ma maison. L'Éternel bénit mon corps. L'Éternel bénit mon âme. L'Éternel bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit. L'Éternel bénit. Dans ces jours qui vont arriver, tu vas recevoir. Tu vas avoir la bénédiction. Amen. Et n'oublie pas d'appeler la radio Trois Anges. N'oublie pas d'envoyer un texto de dire que je veux témoigner. Amen. Car l'Éternel va faire enfanter ton mariage. L'Éternel va faire enfanter tes finances. L'Éternel va en faire enfanter le retard qui t'embêtait là. L'Éternel bénit son peuple aujourd'hui. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois la bénédiction. L'Éternel bénit son peuple et il le rend heureux. Dorcas, dernière prière de bénédiction pour clôturer. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Je reçois au nom de Jésus-Christ toutes les bénédictions qui viennent de toi, oh Dieu. Si nous sommes là en ce moment, Yahweh, c'est toi qui nous as conduits jusqu'ici. Et tu nous as secourus. Seigneur, merci. Merci, Papa, écoute nos voix ce matin. Merci, Seigneur, écoute nos supplications, ô Dieu. Écoute nos mains, Seigneur, levées vers ton sanctuaire. Et nous te disons merci. Nous recevons au nom de Jésus-Christ de Nazareth toutes tes bénédictions ce matin. Nous recevons, Seigneur Jésus, la guérison pour nos maladies. Nous recevons, Seigneur, le financement dans nos vies. Nous recevons, Seigneur, la bénédiction dans nos foyers. Nous recevons, Seigneur, la paix, le shalom dans la vie de nos enfants. Nous recevons, Seigneur, la direction d'aller vers toi, quelle qu'en soit la situation. Nous recevons, Seigneur, cet amour agapé que tu nous donnes. Nous recevons, Seigneur Jésus, cette grâce que tu nous fais encore aujourd'hui. Car tout n'est que grâce, toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu compatissant, toi le Dieu riche en bonté et lent à la colère, toi le Dieu qui a une voix Seigneur puissante, une voix majestueuse. Au nom de Jésus-Christ, que tout crie ce matin dans nos vies, gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu, gloire à notre Rédempteur, gloire à celui-là qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur Jésus, toi qui nous as aimés le premier. Bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous ce matin, ô roi. Que ta main bénissante, Seigneur, soit sur nos familles. Que ta main bénissante, Seigneur, soit sur nous. Que ton huile d'onction soit dans la vie de chacun de tes enfants, afin que la gloire, Seigneur, te revienne. Oh Dieu, merci pour tes bontés qui ne t'arrêtent jamais. Merci, Seigneur, car tu es celui-là qui dit la chose arrive.
Merci, Papa, et nous recevons cela ce matin. Gloire à toi, victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Victoire, Seigneur Jésus, sur nos péchés. Victoire, Seigneur, sur nos addictions. Victoire, Seigneur, sur nos maladies. Victoire, Seigneur, sur tout ce qui nous empêche, car tout a été consumé ce matin. Tout a été détruit. Tout a été ébranlé. Tout a été déraciné. Seigneur Jésus, tout a été brisé. Que le Goliath qui se tient dans nos vies soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons cela ce matin. Gloire à toi, Adonai, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés, Papa. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, ô Dieu. Nul n'est comparable à toi. Merci, Papa, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ mort sur la croix, nous t'avons prié ce matin. Amen. Amen. Merci beaucoup, Dorcas. Victoire, peuple de Dieu. Vivez votre vie comme si Jésus allait revenir. Amen. Focalisez-vous sur Jésus-Christ. Jésus, Jésus, Jésus le ressuscité. Jésus seul, les yeux sur Jésus, le regard sur Jésus. Et venez témoigner de ce que Dieu a fait. Soyez abondamment bénis. Au revoir et à bientôt.